Ividero a attrapé son voleur. Je vous explique brièvement la situation avant que vous ne regardiez bien sûr la vidéo. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Vous voyez, elle aurait demandé une livraison bien sûr à un chauffeur de Yango. Maintenant, le chauffeur ayant livré au portail, il a pris un jus et il a bu à l'insu bien sûr de Ividero. Et vous allez voir la vidéo, vous allez tout comprendre. Et je serais très ravi de vous lire en commentaire par rapport à cette situation. Est-ce que cette situation vous est déjà arrivée une fois? Dites-le, on essaiera d'en débattre dans notre communauté. À tout de suite. Suivez-moi. Allez, suivez-moi. Le chauffeur est là. Le chauffeur de Yango est là. Je m'en vais comme ça. Allons. Le chauffeur de Yango est là. On va voir ça. Attends, j'ai essuyé derrière. J'ai essuyé derrière la caméra là, là. Ça a bien fini. Bonjour. C'est vous qui avez bu mon yamoku là? Je suis en train de vous filmer comme ça. Je suis en train de vous filmer comme ça. C'est moi mon yamoku vous avez bu. Excusez comment? Vous ne savez pas qui est qui? Vous ne savez pas qui sont les gens? Vous venez et vous prenez leur bagage. Vous êtes venu maintenant là, c'est moi. Si c'était une autre personne qui n'a pas les moyens ou bien qui n'est pas connue, si c'était une femme qui se débrouille quelque part à Yopougon là-bas ou bien à Djamé, qui prend ça pour nourrir ses enfants, ça là, moi je n'attends pas ça pour vivre. Mais c'est un commerce. Ah non, 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 non. Vous êtes venu déposer ici, c'est elle qui a ouvert. Vous devez lui remettre les 2000. Vous devez lui remettre les 2000, monsieur. Mais vous prenez le nyamoku, vous partez. C'est parce que votre conscience... Y a qui comment, mon frère? Je voulais appeler celle qui m'a commandé. Je savais qu'avec elle, je n'allais pas avoir... J'ai appelé le monsieur à qui... Le monsieur qui m'a dit que je savais qu'il allait me faire. Je l'ai appelé pour lui dire. Et lui m'a dit que si lui, il était sur les lieux... Mais pourquoi, ça là maintenant, moi j'ai été demandé, pourquoi tu es venu déposer Bissap là devant ma peau ici? Même ça m'énerve. Si oh, tu es venu oh, tu as déposé Bissap là, si tu dis tu as soif même là, tellement moi-même j'ai confiance en mes Bissap là, j'allais te donner cadeau. Mais tu as pris, tu es parti. Tu n'es pas parti, tu étais où? Tu étais quelle là? Tu dis tu avais un client? Je dis, ça fait au moins 2 heures de temps que tu as déposé Bissap là. Oui. Mais 2 heures de temps, donc tu t'es assis ici pour boire. Est-ce que tu sais c'est Bissap de qui tu as bu même? Tu me connais pas? Tu dis tu me connais pas? Tu me connais maintenant? Au téléphone là. Ah, tu savais que c'était moi? Donc tu as fait, si on t'a envoyé pour boire mes Bissap. Si, si, tu es un envoyé. Si, si, on t'a envoyé. Si tu dis que tu as entendu, que tu as entendu ma voix, tu sais que c'est moi, c'est qu'on t'a envoyé. Donc, il faut venir, tu vas faire publicité de mes jus. Parce que si tu ne fais pas publicité là, si tu ne dis pas que Jules est doux là, je vais porter plainte. Donc, il faut venir, toi-même, tu vas témoigner. D'accord. Voilà, ouais. C'est déjà arrivé. Tout de suite, tu es parti, tu as déjà fini. Non, non, ils ne vont rien te faire. Conseil, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30.